Salut à tous, on est le 29 novembre, il est 8h50 et on est toujours à Agonda Beach dans la région de Goa en Inde. Ce matin, pas de footing, je me suis réveillé un peu plus tard pour reposer les mollets parce que mine de rien, courir pieds nus, ça tire bien sur les mollets. Et là, on va aller petit-déj, on va faire une petite séance carte postale, je pense. Et on va tester d'envoyer ça par internet. Mais elle a trouvé des applis là qui permettent d'envoyer des cartes par internet avec tes propres photos, donc ça peut être cool, un peu plus personnalisé. On a un peu avancé sur les cartes postales. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre d'appli ou de site, il y en a plusieurs qui le font. Maëlle, il y a quoi déjà? Ma carte à moi sur laposte.com, Fizer, F-I-Z-E-R sur Android et sur ordinateur. Celui qu'on a utilisé, c'était My Postcard. My Postcard, c'est allemand. Voilà, nous on a utilisé My Postcard, il y en a plusieurs qui font ça. Sur Google, vous le trouvez facilement. Et du coup, maintenant on va aller jusqu'à la pointe de la plage là, parce que la dernière fois, le sunset, on n'avait pas eu le temps d'y aller. On aimerait bien voir ce qu'il y a. Sûr, il y a des trésors. Là, j'ai l'impression que ça va commencer à être plus compliqué. Je sais pas si on va pouvoir passer sans aller dans l'eau. Le problème, c'est qu'avec le réflexe dans la main, ça va être un peu chaud. Je vais mettre mon appareil dans mon sac parce que ça va être galère, j'ai envie d'avoir mes mains libres. Et si jamais on est en vie de l'autre côté, je le ressors. Bon bah on n'a pas réussi à contourner, là la marée est trop haute et en fait si j'avais pas le réflexe ça irait peut-être, mais là avec l'appareil dans le sac ça me fout un peu les boules. Du coup on a réussi à monter quand même pour avoir une belle vue de Agonda Beach. Et tous les alentours. Oh, quand même il y a un gros pic là-bas. Et Maëlle elle est restée en bas là-bas. Maëlle! On y va. Bon, du coup on a profité pour nager un peu entre les rochers. Malheureusement j'avais pas la GoPro donc on n'a pas filmé. En tout cas ce coin est super joli, ça donne une super vue sur la plage et on voit qu'on est entouré par plein de petites montagnes, c'est super joli. Bon, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, le vlog va être court je pense. Mais en gros après qu'on ait fait notre petite aventure jusqu'au bout de la plage, on est allé se baigner dans les vagues, on a pris des énormes coups de soleil, on a déjeuné. Et nous voilà ici, il est 5h, on va essayer d'aller surfer pour la dernière heure de soleil là. Je dis bien essayer parce qu'on est tous des grands débutants donc ça risque d'être marrant. Je vais prendre la GoPro cette fois pour que vous puissiez voir. Déjà là il y en a une, deux, trois qu'on veut prendre. Yeah, we like four beginner balls for okay. Just the last hour today. Okay. This and that. C'est chaud, tu la sens bonne? Je pense que les vagues seront bonnes aujourd'hui. En vrai, les vagues n'ont pas l'air très grosses, mais c'est des bonnes vagues pour débutants. Ça sera plus facile. Heureusement, là, dans ce petit shop, là, ils ont encore 4 planches qui sont ok pour des beginners. Il y en a une qui est un peu dure et qui est vachement longue, mais bon. On la filera Baptiste. Thank you.
Bon bah dommage que j'ai pas pu filmer, de toute façon c'était pas très fructueux. Ah, 2-3 vagues. On a pris 2-3 vagues mais avec les jambes tremblantes et... J'étais vraiment pas serein de laisser la GoPro avec une ventouse qui tient pas. De toute façon, mettre une GoPro sur des surfeurs comme nous, c'est comme mettre une capote pour faire un bisou quoi. Ça sert pas à grand chose. Bon, je suis désolé, j'ai pas trop filmé aujourd'hui. En même temps, ça fait plusieurs jours qu'on est à Goa là et on fait plus grand chose d'extraordinaire. Demain, dernière journée à Goa et le soir, on prend notre premier train en Inde. Donc ça va être cool, je le filmerai bien sûr. Et puis voilà, en attendant, dormez bien.